que l'on aborde le dernier quart d'heure. Abordons le grand pont de Johan Mikou qui peut centrer. Et superbe sortie de couvert. Ce n'est pas terminé pour les Girondins de Bordeaux avec un nouveau centre. Cette fois, c'est contré. Derrière, c'est Diabaté. La frappe de Diabaté. Et les Girondins de Bordeaux qui ouvrent le score. Le premier but de Diabaté cette saison. Et Ali Benarbia qui est en train de trembler sur son siège parce que l'équipe est niveau, parce que Bordeaux mène 1-0 sur cette frappe de Diabaté. Sur cette première occasion, le stade explose. Oui, depuis le temps que je lui dis de frapper du gauche parce qu'il a enroulé moins et qu'il avait une bonne frappe de pure, alors là, ben, il a fait au bon moment, je crois. Ça fait la deuxième fois cette saison. Avec une grosse compensation du corps, à la mesure où le ballon est un petit peu haut, il est obligé de se coucher avec les épaules et à 25-30 mètres, c'est un but absolument somptueux qui offre pour l'instant la première place au Girondin. Ben, au moment de la frappe, je pensais que le ballon allait passer au-dessus, moi, alors ça c'était clair. On s'en souvient parce que c'est son premier but en championnat, mais il avait marqué à Vienne. Exactement, comme ça. Exactement, mais une en